La Toussaint Rouge a été pour tuer, parce qu'il n'y a pas que Monro qui a été tué, il n'y a pas que Laurent François qui a été tué, il y a le sergent Houda qui a été tué. Un petit peu partout en Algérie, il y a eu quand même des assassinats. Sur Oran, il y a eu un chauffeur de taxi qui s'appelait Samuel Azoulay. À la limite, ce serait même lui la première victime de la Toussaint Rouge, puisque Samuel Azoulay a été assassiné, il devait être 11h30 minuit. Donc on pourrait dire, si on veut vraiment rentrer dans la chronologie, si on veut voilà, être perfectionniste à la limite, bon, ce serait la première victime. Ensuite, il y a eu Laurent François, il venait de Moussaganem Picard, il est allé avec un de ses copains, qui, le hasard des choses, est le cousin germain de mon épouse. Voilà. Et c'est pour ça que l'histoire, on la connaît bien, quoi. Et donc, ils sont allés à Moussaganem, qui était une ville, pour aller danser. Ils sont rentrés le soir. Et normalement, pour se rendre chez eux, ils longeaient la côte. Et là, on va savoir pourquoi, ils ont voulu passer à travers les terres. Ils ont rencontré quelqu'un qui était complètement déguenillé, qui criait, qui disait « on est attaqué ». Ils sont allés donc dans une gendarmerie, la seule gendarmerie qui existait dans ce lieu. C'était un village qui s'appelait Cassaigne. Ils sont allés à Cassaigne. Il s'avère que lorsqu'ils sont arrivés, ce village était encerclé par des rebelles, justement pour cette fameuse Toussaint Rouge, qui devait attaquer la caserne. Ils sont tambourinés, les gendarmes ont mis du temps à ouvrir. Laurent François a été tué, et puis les gendarmes ont été sauvés, finalement. Voilà. Et en parallèle avec Laurent François, il y a eu un garde forestier à Saint-Denis-du-Sig, à côté d'Oran, qui a été lui assassiné par un de ses ouvriers. Donc vous voyez, avant Monro. Oui. Bon, et après, il y a les casernes qui ont été attaquées, donc le fait de dire on ne voulait pas tuer, je suis désolé, enfin il faut être. Et après, il y a eu des événements terribles à la mine et tout ça, là où ils ont touché Rouen. Alors, la mine El Alia. El Alia, c'était le 20 août 1950, de mémoire. Le 20 août 1955. Là, ils ont massacré des Français et des Françaises, bien entendu, des gamins, surtout des gamins. Là, ils ont fait un massacre de plus de 50 personnes, quand même. Hein. Plus de 50 personnes. Mais ce qui marque le plus, ce sont les enfants. Voilà. Des enfants en bas âge. C'est pas le seul massacre où il y a eu des enfants tués. Mais bon, ça fait partie des gros massacres qui a eu lieu au départ. Bon, après, il ne faut pas oublier également les massacres de 21 soldats du contingent à Palestro. Voilà, ça c'était en mai 56. Ça devait être au mois de mai 1956. 21 soldats du contingent qui ont été massacrés. Au matin du 18 mai 56, le sous-lieutenant Arthur du 9e régiment d'infanterie coloniale et ses 20 hommes, après plusieurs heures de marche, s'arrêtent dans un village où ils sont reçus avec respect. C'est l'heure du casse-croûte. Les militaires commencent à palabrer avec le chef du douar, qui leur offre même le kawa. Depuis leur arrivée, ils n'ont que de très bons rapports avec les habitants de la région, qui ne manifestent aucune hostilité, bien au contraire. Vers 11h, la section reprend sa marche et tombe dans une embuscade tendue par la LN, avec la complicité des habitants du village. C'est une tuerie. Aux ordres du lieutenant Kodja, ancien sergent de l'armée française et déserteur,
les militaires de l'armée de libération nationale abattent les Français un par un. Le combat ne dure pas plus de 20 minutes. Il n'y aura que 5 survivants. Le lendemain, sans nouvelles de la section, le régiment donne l'alerte. Des hélicoptères emmènent de toute urgence des paras du 13e Dragon. Ils trouvent le village abandonné et les hommes de la section Arthur. Les villageois les ont exposés sur des rochers. Ils sont atrocement mutilés. Les yeux sont crevés. Les testicules sont coupés. Les entrailles retirées et remplacées par des cailloux. Les pieds des hommes sont striés de coups de couteau. La plupart de ces supplices ont été faits sur des hommes encore vivants par l'ALM et surtout les habitants du village qui les avaient si bien reçus la veille. La chasse est lancée dans le Djebel environnant. Les paras tueront une cinquantaine de complices. Mais le commando et les prisonniers sont introuvables. Le 23 mai, au matin, la bande est enfin accrochée près de Tifred par les paras du 1er REP et du 20e BPC. Les rebelles sont repliés dans une grotte. Les légionnaires paras montent à l'assaut, tuent 17 félagas, délivrent Dumas qui n'y croyait plus et font 3 prisonniers dont un déserteur. Mais dans le feu du combat, l'infortuné Davinillé, compagnon de captivité du soldat Dumas, trouve la mort. Les 3 autres survivants ne seront jamais retrouvés. Le problème, c'est tous les assassinats qui ont eu lieu dans les fermes, notamment dans les fermes, sur des gens sans défense. Voilà. Et puis les femmes, les enfants, les musulmans. Il y avait, oui, à la mine, je crois qu'ils ont tué autant de musulmans que de Français. À la mine, oui, à Wedzen. Voilà. Oui, mais parce que là, ils sont tombés sur des musulmans pro-MNA. En fait, il y a eu 2 factions qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu le FLN et puis le MNA. FLN, Front de Libération Nationale, MNA, Mouvement National, Nationaliste Algérien. FLN, c'était donc Ben Bella et toute la clique, et MNA, Messali Hadj. Et ils étaient en opposition. D'ailleurs, il y a eu des massacres entre eux, en France, et énormes. Bon, Messali Hadj était pour une indépendance avec les Français, le FLN était totalement opposé. Et donc, il y a eu cette guerre fratricide entre eux. En France, il y a eu des règlements de compte épouvantables. Bon, on peut retrouver ça hein, sur les journaux de 55, 56, 57, notamment sur la région parisienne et bordelaise, où il y a eu des massacres terribles entre MNA et FLN. Donc, la mine à Wedzem, c'était surtout des gens du MNA. Voilà. Et eux, ils arrivaient à vivre avec les Européens. Ah, ils vivaient, oui. Ils voulaient l'indépendance, mais... Il n'y avait pas trop de... Pas trop de haine, voilà. C'est dommage qu'ils n'aient pas eu le dessus. On peut regretter qu'ils n'aient pas eu le dessus, oui, parce que c'était autre chose. C'était quand même des gens d'une certaine culture. Bon, ça n'avait rien à voir avec le FLN, ou le FLN, bon, on pourrait dire que c'était le rebut qui était conditionné par Tunis, par le Caire, pour avoir l'indépendance, et n'oublions pas par les Russes et les Américains, parce qu'on a tendance également à oublier le travail des Russes et des Américains. En tout cas, Kennedy était pour l'indépendance de l'Algérie, indiscutablement, puisqu'il l'avait dit ouvertement. Il a fait partie des premiers pays qui ont reçu Ben Bella. Voilà. Ça s'explique. Aussi bien les Russes que les Ricains étaient convoités à l'Algérie. Pourquoi ? Ben, il y avait d'abord Merzel Kébir, la base de Merzel Kébir, qui était une base exceptionnelle pour l'époque. D'accord ? Et puis il y avait le Sahara, les richesses souterraines. Donc on sait très bien que les Américains et les Russes à l'époque, qui étaient des concurrents, pour ne pas dire des opposants, recherchaient justement tout ça. Voilà. Et les Américains, donc effectivement, donnaient toujours tout de suite accord au FLN. Voilà. Et ça, c'est peut-être, ça fait partie des raisons pour lesquelles De Gaulle, revenant sur De Gaulle, s'est un petit peu vengé lorsqu'il a eu l'occasion de pouvoir virer les Américains du territoire français. Parce que je ne connais pas très bien tout ce passé, mais je pense que De Gaulle a été forcé de prendre à un moment donné une décision que nous n'avons pas acceptée, bien entendu, hein, mais parce que
il était confronté aux Américains d'une part et aux Russes d'autre part. Bon, et il y avait eu ce fameux pacte d'autodétermination qui existait de par le monde, hein, puisque tous les pays devaient s'autogérer par eux-mêmes. Et à partir de là, je pense qu'il a été coincé et il a été contraint de prendre une décision qui n'était pas la bonne décision peut-être pour nous, qui aurait pu éviter d'ailleurs, hein, mais qui aurait peut-être déclenché des problèmes et des conflits. Voilà. Moi, ma première vision, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. C'est deux têtes plantées sur un piquet de part et d'autre, et d'autre d'une voie ferrée. Ah oui, d'accord. Ça a été ma première vision. Bon. Et ces deux têtes, c'était les têtes du garde-barrière. Alors à l'époque, mon père allait beaucoup chasser dans le sud. Et il chassait notamment les gangas. Les gangas, vous verrez, ce sont des espèces de perdrix. Oui. Alors il y avait des vols de gangas autant qu'on en voulait. Et mon père allait chasser. Et puis là, ce jour-là, j'étais allé l'accompagner. Et alors j'ai la voie ferrée. Et à un moment donné, mon père me dit, t'arrêtes, tu bouges plus. Bon, je bouge plus. Et puis, j'avais 12 ans, j'avance, hein, et je regarde, de part et d'autre, ils avaient coupé la tête du garde-barrière et de sa femme, il avait planté de part et d'autre sur un piquet. Bon, et franchement, il ne faut pas être sain d'esprit. C'est quand on prend, par exemple, la mine, hein, l'Alia, c'est... Bon, c'est... Et puis... Les enfants et les vieux et les vieillards, enfin, ce sont des barbares, malheureusement. Je m'appelle Djihali Mourad Mentoumi. J'ai 32 ans et je parle bien le français puisque j'ai été à l'école avec Monsieur Petitjean. J'étais caporal en Indochine pendant 2 ans. Et mon père était adjudant au RTA et avait participé au débarquement de Provence. Le 21 mai 1956, je gardais mes moutons non loin de Mamechta El Gourbia, près du village de Valais. J'avais vu, en début d'après-midi, une colonne d'une vingtaine de félagas qui longeait en contrebas l'Oued et qui se dirigeait vers la Mechta. J'ai eu le sentiment que quelque chose allait arriver. J'ai réuni toutes mes bêtes et je me suis dirigé vers la Mechta. Lorsque je suis parvenu sur la colline, j'ai assisté impuissant au massacre de ma famille. Ma mère, Safia, ma femme, Leïla, 21 ans, mes deux sœurs, Zinia, 17 ans, et Dounia, 12 ans, ma tante, Habiba, et ses deux filles, Latifa, 10 ans, et Nabila, 8 ans, étaient violées devant mon père et mes oncles, attachés à des arbres. Les deux plus jeunes garçons, mes cousins, âgés de 6 et 4 ans, ont été aussi violés, puis ils ont été éventrés devant tous les habitants de la Mechta. Mon frère Riyad, âgé de 17 ans, s'est rué sur un des félagas. Il a été abattu d'une balle dans la tête. J'ai reconnu un des félagas, il est du douar de Safsaf. Comme des bêtes sauvages, ils se sont rués sur les enfants et leur ont coupé les oreilles et un bras. Et ensuite, ils ont écrasé les têtes contre des arbres. Et ceux qui n'étaient pas morts, ils les ont égorgés. Mes oncles ont été émasculés. Pendant qu'ils se tordaient de douleur, on les a obligés à ouvrir la bouche et à prendre leur sexe dedans. S'ils le recrachaient, ils avaient soit le nez coupé, soit les oreilles, ou bien la langue. Ils savaient de toute façon qu'ils allaient mourir. Mon père était le chef de village, il se devait donc de mourir en dernier, après avoir vu tout ce qu'il aimait mourir dans d'horribles souffrances mentales et physiques. Chacune des femmes ont été torturées, et ma tante a été empalée avec une branche de cactus. Elle criait de souffrance, si fort que je l'entends toutes les nuits. Son calvaire a duré plus de 2 heures avant qu'elle meure. Ma femme, Leïla, qui est enceinte, a subi le plus d'outrages. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Afin que sa mort soit la plus horrible, ils lui ont crevé les yeux. Ils l'ont éventré. Le bébé gisait à côté d'elle. Pour finir, ils l'ont brûlé petit à petit. Je l'ai vu mourir. C'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus que je n'étais pas prisonnier. Et 5 félagas sont partis à ma recherche. Je me suis dissimulé dans une cache qu'on avait construite à tout hasard, et c'est là que j'ai retrouvé 3 de mes frères et un petit voisin. Les félagas sont passés tout près de nous, et j'entendais tout ce qu'ils disaient, entre autres de ne laisser aucun survivant de nos 3 familles, et de toute façon, ils reviendraient pour finir le travail. Je suis ressorti pour voir ce qu'il se passait, une vraie boucherie.
sur les femmes, éventrations et égorgements, des flaques de sang partout. Soudain, les cris se sont tus et les félagas sont repartis aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. On n'entendait que des gémissements. J'ai dû abréger les souffrances de Latifa et de mon frère Riyad. J'ai attendu qu'ils soient bien éloignés avant de me risquer dans la Meshta. Tous les habitants étaient terrorisés. Ils pleuraient devant leur impuissance à sauver qui que ce soit. Je me suis penché sur toutes les victimes et j'ai constaté avec dégoût que mon père avait été torturé de la pire façon. Il lui avait coupé le nez, les oreilles, les lèvres, ensuite les deux bras, puis il lui avait enlevé les yeux. Et comme si cela ne suffisait pas, ils l'ont égorgé et décapité. La tête était empalée sur un cactus. Je n'ai rien pu faire pour les sauver. Avec l'aide des habitants, nous avons réuni les morts et je me suis dirigé vers le village de Valais où j'ai rencontré le garde champêtre qui a prévenu l'armée de Philippeville. L'armée est arrivée rapidement sur les lieux. Le lieutenant Casimirius de la SAS de Valais, que je connais bien parce qu'il venait souvent nous soigner à la Meshta, et beaucoup de soldats ont vomi. Ils ont pris des photos et nous ont aidés à enterrer nos morts. Ils ont recueilli mon témoignage. Les autres habitants n'ont rien dit à cause de la peur. Le lendemain, j'ai été au douar de Safsaf. J'ai été dans la maison de Oufkir. Je l'ai tué, ainsi que deux autres que j'ai reconnus. À sa mère et son père qui le pleuraient, je leur ai dit qu'ils avaient beaucoup de chance que je n'accomplisse pas ce que leur fils et les mécrans avaient fait subir à ma famille. Les Felagas étaient venus afin de tuer toute ma famille. Il y avait une tradition de soldats depuis 1870 où mon grand-père avait fait la guerre. À chaque génération, il y a eu des militaires dans ma famille. Nous étions tous français et c'est ce symbole que les tueurs sont venus détruire. Le massacre auquel j'ai pu assister, pas, je ne dis pas, je ne prétends pas que ce soit le pire massacre, parce qu'il y a eu le Milkebar, il y a eu, etc., il y a eu beaucoup de massacres, mais celui que j'ai vu, c'est le 15 septembre, le 14 ou 15 septembre 1960, à Mostaganem, un cirque qui est passé dans toute l'Algérie, d'ailleurs, qu'on appelait le cirque Monte Carlo, qui était plus connu sous le nom de Gitano Blanco. Gitano Blanco, espagnol, gitan blanc. Hein, si, voilà. Et je me souviens, en été avec un collègue, en scooter, en ville, on se baladait, et d'un coup on entend une explosion. Et je dis au collègue, je dis, Alain, le cirque. On est arrivé au cirque. Bon, du sang partout, des trucs comme ça. Il avait sa fiancée, disons. Il la cherche. Moi, j'avais un cousin qui était là-bas et deux cousines. Bon, lui cherche sa nénette. Il la trouve. Il la prend. Plus de jambes. Et là, si vous voulez, bon, ben ça, là, j'ai éclaté. Là, j'ai dit, c'est fini. Maintenant, plus de cadeaux. Comment ça s'est passé pour rentrer dans l'OAS? Vous connaissiez les gens qui en faisaient partie ou pour pouvoir aller postuler ou... Non. Non, j'avais en 60, donc j'étais dans Jeune Nation. Et Jeune Nation, un petit peu, on faisait un petit peu ce qu'on voulait. C'était pas très structuré. C'était moins structuré, en tout cas, que n'était structurée Jeune Nation sur le territoire métropolitain. On agissait un petit peu en tête brûlée, en fonction de ce que l'on voulait. Et là, j'ai connu plus exactement un monsieur qui m'a connu à la suite d'un attentat que j'ai commis, en brûlant la voiture d'un officier qui était gaulliste. Bon. Et donc il m'a pris sous sa coupe, et donc là il m'a connu, et puis petit à petit on a organisé des tracts, on faisait, à l'époque on ne faisait que cela, faire des tracts et les distribuer. Et puis un beau jour, il me dit, ben tu viens, je vais te présenter à quelqu'un. Il m'a présenté donc à un recruteur de l'OS, donc là je vous parle de ça, ça devait être en février 61, donc voilà, j'avais 17 ans quoi, hein. Et donc ce type m'a dit, ben voilà, on a besoin de jeunes, on a besoin de ceci, cela. Alors au départ, il voulait me mettre dans une section de plastiqueurs, et j'ai refusé. J'ai dit non, j'ai dit moi, poser des bombes, ça ne m'intéresse pas. Poser des bombes, ça veut dire que je vais poser une bombe,
Et si ça se trouve, quelqu'un d'innocent va passer, va sauter, donc je marche pas. Donc mettez-moi dans un commando, et puis bon, tout s'est enchaîné. Je suis rentré dans un commando, on était 4-5 au départ. Notre mission était de faire en sorte qu'aucun musulman ne pénètre dans la ville européenne. Voilà, ça c'était une de nos premières missions. Là c'était à quel endroit? À Mostaganem. D'accord. C'était le centre-ville, il y avait un coin européen, un coin musulman, c'était comment? Non, dans la ville il y avait un petit peu de tout. Les musulmans étaient situés dans un quartier totalement extérieur, un petit peu comme dans toutes les villes d'Algérie. Hein. Ce quartier s'appelait Tijdit. Voilà. Mais on évitait que les musulmans rentrent. En faisant en sorte que les musulmans ne rentrent pas dans la ville. Pour éviter qu'ils fassent des attentats. Pour éviter les attentats. Parce qu'à Mostaganem, il y a quand même eu pas mal d'attentats. Il y a eu beaucoup d'attentats. Donc au départ, ça a été gentil. Hein. Interdiction de faire rentrer les musulmans, de laisser rentrer les musulmans. On avait une autre mission qui consistait à empêcher toute femme musulmane de passer à un certain quartier. Parce que ces femmes musulmanes allaient aux alentours des casernes du régiment de tirailleurs algérien pour les faire déserter. D'accord. Voilà, elle venait pour les faire déserter. Donc, d'accord. C'était notre mission. Et puis une troisième mission aléatoire, c'était de faire quelques hold-up à droite à gauche et récupérer des véhicules pour l'organisation. D'accord. Alors ça, c'était tout au départ. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu des actions un peu plus, disons, un peu plus musclées. Voilà. Avec des cibles bien précises. Voilà. D'accord. Et à chaque fois, c'était les gens qui étaient ciblés, j'imagine, c'est des gens qui avaient un rôle néfaste aux yeux de l'OAS Dans les gens ciblés, à 98%, c'était des gens qui étaient... Alors, soit des musulmans qui avaient l'impudence de rentrer, alors qu'ils avaient des directives précises en disant « vous ne rentrez pas dans le quartier européen ». Alors là, malheureusement, ils prenaient leur risque. Et puis également des gens ciblés, et pas forcément que des musulmans. Oui, voilà, pas forcément des musulmans. Sur Mostaganem, par exemple, il y avait un juge qui était ciblé, il y avait un avocat qui était ciblé, il y avait des mécaniciens qui étaient ciblés, mais tous des gens qui étaient soit pro-FLN, soit pour l'indépendance de l'Algérie. Donc pour nous, pour l'OS, c'était des gens qui nous faisaient ombre. Et à partir de ce moment-là, il fallait les éliminer. Voilà. Après, tout ce qui était famille, ainsi de suite, vous aviez vos cibles, mais vous ne touchez pas aux familles. On n'a jamais touché aux familles. De ce que je sais, on n'a jamais, jamais, jamais touché aux familles. On ciblait l'individu en tant que tel, mais jamais la famille. Jamais. C'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai toujours été opposé à poser une bombe, même un plastique, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Quoi. Les bombes, on ne maîtrise pas ce qu'on fait. On ne maîtrise pas. Aujourd'hui, on pose une bombe à 18h, on sait qu'à 18h, il n'y a personne qui passe, mais il s'avère que, si ça se trouve, à 18h15, il y a peut-être un couple qui va passer et qui va se faire sauter avec. Donc, totalement opposé. Non, en général, les cibles étaient bien précises. Ce qui ne veut pas dire par là qu'il n'y a pas eu d'accident. Voilà, ça peut arriver. Il faut quand même savoir, je dois avoir un tract qui traîne, que l'OS, tout au moins à Oran, je parle de ce que je connais, l'OS à Oran avait formellement interdit ce qu'on appelait le ratonnage, ou les ratonnades, et que toute personne qui était prise en flagrant délit de ratonnade était elle-même exécutée. Et sur Oran, il y a eu une personne ou deux qui ont été exécutées par l'OS. Par l'OS, parce que justement, elles avaient effectué des ratonnades. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments quand même qui sont extrêmement importants, parce qu'on oublie souvent de le dire, mais on était totalement opposé, enfin l'organisation était totalement opposée à faire du n'importe quoi et à dire, on tue comme on a entendu, hein, on tue du bougnoul pour tuer du bougnoul, quoi. Non, c'était le but n'était pas là. Ouais. Et niveau structure, parce que après vous êtes rentré dans la Légion, donc vous connaissez bien l'armée, tout ça. Et niveau structure, au niveau de l'organisation de l'OS, tout ça, c'était très militaire, c'était plus amateur, c'était bien structuré. Alors je ne peux pas dire que ce soit de l'amateurisme, je ne peux pas non plus prétendre que ce soit une structure militaire, parce que j'ai connu effectivement les structures militaires. C'était
c'était quand même assez strict. D'abord parce que n'importe qui ne rentrait pas dans l'OS, et n'importe qui n'était pas dans l'OS. Bon. Et ensuite, il y avait des tâches bien déterminées, bien définies. Les commandos, tel et tel commando était fait pour tel et tel quartier, tel et tel commando était fait pour telle et telle action. Donc, c'était quand même, c'était très très structuré. Hein. C'était très structuré. Je parle de ce que je connais, Mostaganem. Oran était encore beaucoup plus structuré. Oran, alors là, il y avait des structures très strictes. Bon, et elle n'était pas militaire, puisque contrairement à Alger ou à d'autres villes, Oran, ça a été la structure de base était des civils. Et les militaires sont venus après. Bon, et encore que les militaires, même le général Jouot, c'était à la limite, comment dire, un passe-droit. Voilà, on peut l'appeler ainsi, mais c'est pas lui qui commandait. Ceux qui commandaient Oran, c'était les civils. Voilà. Voilà. Donc c'était également très très cadré, très cadré. Voilà. Et après, vous, en tant que commando de l'OS, vous connaissiez toute la chaîne de commandement ou non. Vous connaissiez juste celui au-dessus, vous? Non. C'était cloisonné? C'était très cloisonné. Très cloisonné, et même à l'intérieur des commandos, hormis le fait que l'on connaisse quelqu'un de la même ville que nous, mais autrement, non, c'était tout des pseudos. Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ah, oui, on ne connaissait jamais personne, on n'a jamais... En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais connu quelqu'un qui faisait partie de mon commando par son nom. C'était toujours des pseudonymes, y compris les chefs, bien entendu. Voilà. Et y compris les grands chefs. Voilà. On avait des pseudos, donc on ne... et ça me semble naturel, dans la mesure où il y avait le risque d'être arrêté. Et auquel cas, ben, quand on est arrêté, et qu'on sait les méthodes des barbouzes notamment, parce qu'on en parle des barbouzes, bon, on sait qu'à un moment donné, sauf si on est d'une constitution exceptionnelle, mais un jour ou l'autre, on crache le morceau, quoi, je veux dire, on n'est pas des surhommes. Oui, non, j'imagine, c'est juste la différence entre un surhomme et un homme ordinaire, c'est voilà. Juste le temps qui va mettre à parler. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Et au niveau de l'OS, vous êtes toujours resté là ou vous avez bougé, vous avez fait des actions ailleurs, non, d'autres types de missions? Non, j'étais d'abord à Mostaganem, je suis démarré à Mostaganem. J'ai été ensuite personnel non grata sur Mostaganem, donc on m'a viré sur Oran. Je dis bien, on m'a viré sur Oran. Oran, je suis resté quelques temps, pas très longtemps, et j'œuvrais à Place des Victoires avec la colline 3. C'était des collines avant, hein, qui s'appelaient colline 3. Et d'Oran, j'ai été viré au maquis. Et je me suis retrouvé au maquis, donc, et j'ai terminé au maquis au mois de juin. Voilà. Le maquis, c'était quoi? Alors, le maquis, c'était un commando qui était situé dans les monts du Dara, à côté de Mostaganem. Et notre mission était d'une part de protéger les populations européennes, mais d'autre part, de remplacer les actions de l'armée et de la gendarmerie qui ne pouvaient plus intervenir, puisqu'il y avait le 19 mars. Et donc, à partir du 19 mars, de manière officieuse, on a fait le boulot de la gendarmerie et de l'armée. On avait pour mission de protéger la population, mais ce que je vais vous dire, évidemment, va vous sembler un petit peu irrationnel, c'est que la gendarmerie nous informait, par exemple, des libérations de FLN. Parce que à partir du 19 mars, De Gaulle a ouvert les prisons. Alors, il a ouvert les prisons en laissant les portes extérieures pour les FLN, mais il les a refermées pour l'OS. Bon, ça... c'est-à-dire que l'OS reprenait les geôles des FLN. Donc, la gendarmerie nous donnait ces renseignements. Alors, pas à nous, hein. On avait un patron, un chef. En réalité, on avait deux chefs. On avait un chef, l'action psychologique, disons, action psychologique qui avait... les relations entre l'armée et la gendarmerie, et puis on avait un chef action. Voilà. Le chef psychologique. Un chef renseignement et c'est ça. Et une action. Voilà. 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 Et donc la gendarmerie prenait contact avec notre patron psycho, hein, qui nous disait voilà, à telle heure, vous trouvez à tel endroit. Parce qu'il y a deux FLN qui sont libérés. Donc, ben, à telle heure, à tel endroit, on y allait, et puis on faisait le boulot que De Gaulle n'avait pas voulu faire. Donc, voilà. Il nous donnait également des renseignements sur les collecteurs de fonds.
Parce que eux, la gendarmerie avait les renseignements sur tous les gens qui étaient fichés, et ils savaient pertinemment qui était collecteur de fonds, qui faisait ceci, qui faisait cela. Donc on se chargeait, nous, de faire le boulot, en fait, de la gendarmerie. Voilà. Ce que vous appelez collecteur de fonds, c'est les gens du FLN qui rackettaient les magasins. C'est ça. C'est ça. Voilà. L'argent, il vient de la guerre. Voilà. Voilà. Et là, avec l'armée, c'était exactement pareil. C'était là, on nous indiquait des positions, puis nous, on faisait le boulot. Et après, niveau protection pour les fermes, tout ça, c'est vous arriviez. Alors, on a eu des détachements. On avait des détachements de 2-3 commandos qui étaient détachés dans telle et telle ferme. D'accord. Voilà, pour assurer la protection. Voilà. C'est assez efficace. Ben, écoutez, moi, de ce que j'ai connu, aucune des fermes dans lesquelles nous avions des collègues n'ont été attaquées. Donc, il faut croire que c'était efficace. Et nous-mêmes, on a fait notre boulot, je dirais, de manière tout à fait convenable. Hein. Voilà. On a eu quelques accrochages avec la LN, où on s'en est pas mal sorti, je trouve. Donc, les populations, les villages dans lesquels où nous gravitions n'ont jamais eu de problème. Donc ça veut dire que quand même notre présence était connue. Hein. Bien qu'on tentait de passer inaperçu, mais notre présence était connue. Tout le monde savait qu'il y avait un maquis, qu'il y avait un commando OS qui était dans le coin. Quoi, hein. Et donc, j'en reviens à Edouard. Lorsque j'étais dans le Dara, un Douar en tout cas. Alors, ce qu'on appelle un Douar, pour les gens qui ne connaissent pas. Un Douar, c'est un village arabe. Voilà, un village qui est dans la montagne, en général, hein, c'est les villages qui sont dans la montagne, villages montagnards, occupés par les Arabes, ce sont les Arabes, on appelle ça des douars. Voilà. Eh bien, on était accueillis dans ce douar, sans problème, il n'y en a qu'un, hein. Mais enfin, c'est quand même significatif, ils auraient pu nous égorger, donc c'est ce qui me laisse penser et qui me fait dire que finalement, nous aurions pu rester. Et parce que la majorité des Arabes ou des musulmans n'étaient pas forcément pour les FLN. Parce que ce que les gens ignorent peut-être, ou qui veulent ignorer, c'est que le FLN a beaucoup agi sous la menace, et que nombre de gens du FLN, de Felaga comme on les appelait, étaient des gens qui avaient été contraints de rejoindre leur rang, parce que s'ils ne rejoignaient pas leur rang, c'était leurs femmes, c'était leurs enfants, c'était leurs parents qui étaient égorgés. Donc, c'est ça. Hein. Ils ont tué des villages complets. Voilà, ou tu viens avec nous, ou on égorge ta famille. Voilà, c'est très clair. Bon. La majorité de la population algérienne serait restée française. Ils seraient restés français sans problème. Mais c'est par la menace, et puis après le sang qui a commencé à couler à droite à gauche. Le gros souci, le fossé a été creusé en mars 62. Voilà, là, le fossé a été creusé. Là, c'était fini, c'était irréversible. Voilà, on ne pouvait plus rester, on ne pouvait plus vivre ensemble. Là, vous me voyez, moi, vivre à Oran, en sachant que mon oncle a été enlevé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a été enlevé le 5 juillet 1962. Alors ça, c'est quand les gens allaient regagner le bateau Le 5 juillet, c'est quand il y a eu la grosse tuerie à Oran. Voilà. Alors, pour expliquer aux gens, c'était quoi ce jour-là? Le 5 juillet, il y a eu un déferlement de musulmans, qui fêtait la victoire, forcément. Hein. Et on ne sait pas, au jour d'aujourd'hui encore, on ne sait pas du tout la raison pour laquelle il y a eu ce massacre. Toujours est-il qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu ce massacre par vengeance. Il suffit simplement qu'il y ait eu une seule personne d'assassiner ou de massacrer, et puis ensuite la foule s'est engouffrée là-dedans, et ça a été l'appel du sang, en fait, c'est l'appel du sang qui est venu. Et donc ça fait un massacre, tout ce qui était blanc ou qui ressemblait à un blanc a été égorgé, été pendu, etc. Et mon oncle a subi le même sort, il a été enlevé, on l'a jamais retrouvé, bien entendu, hein, parce que il partait voir son père, et malheureusement il n'est jamais revenu. Et voilà, ma tante l'attend encore. Enfin, elle n'attend plus, puisqu'elle a dû le rejoindre, parce qu'elle est morte. Mais il est parti, mine de rien, en laissant 6 orphelins. Voilà. J'étais en train de déjeuner, lorsque on a entendu des rafales de mitrailleuses ou de PM, de pistolets mitrailleurs. À ce moment-là, je suis monté sur la terrasse de la préfecture de police.
on voyait une grande manifestation, une masse d'Algériens, et qui se sont mis à courir de tous les côtés. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a averti le général et qu'on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Aussitôt, le général Katz donne des instructions pour le moins troublantes. Elles figurent dans le JMO, le journal de marche et d'opération du secteur d'Oran, que nous avons pu consulter. Il est resté longtemps classé « secret défense » dans les archives militaires. À 12h15, les ordres de Katz y figurent très clairement. Primo, rappel consigne rigoureuse des troupes. Secondo, troupes restent consignées. S'il est attenté à la vie des Européens, dans ce cas, prendre contact avec le secteur avant d'agir. Les officiers dans les garnisons avaient reçu les ordres de Paris de ne pas intervenir. Les ordres étaient de ne pas intervenir. Pourtant, là encore, le général Katz a pleine connaissance des enlèvements et des tueries en cours. Nous lisons de la main de l'officier de permanence. 11h55, 12 Européens blessés, dont un grièvement. Demande une ambulance d'urgence. 12h40, 2 Européens lynchés et récupérés place Foch. 13h10, une centaine d'Européens emmenés par l'ALN en direction Ville Nouvelle. Un FSE tué en sortant de chez lui. Le général Katz, lui, sa seule action, ça a été de prendre un hélicoptère et de survoler la ville. Et puis il a constaté que tout se passait bien, ce qui est faux. Tout de suite, j'ai sauté dans l'hélicoptère et j'ai survolé la ville. Oh, il était midi et demi à peu près, n'importe comment. À une heure ou plus tard, c'était fini. La fusillade, en somme, n'aurait duré que pendant une heure. Oh, même pas. Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure. Le général Katz dit qu'à 13h, l'ordre était rétabli, ce n'est pas vrai du tout. Ce qui est terrible avec les disparitions, c'est qu'on ne sait pas ce que... Alors, le gros souci, c'est la grosse interrogation. Parce qu'on sait que nombre d'enlevés ont fini dans les marécages, voilà. Nombre ont fini pendus à des crochets de boucherie pour être saignés à blanc. D'autres ont fini dans des hôpitaux pour être également saignés. D'autres ont fini dans des mines. Quand on dit saigner, c'est parce qu'ils récupéraient le sang. Ils récupéraient le sang. Pour les combattants. C'est ça. Ils récupéraient le sang. Ils saignaient à blanc. Je l'ai lu. Ils attrapaient, alors je vais vous laisser le raconter, mais en gros, ils attrapaient une personne et il a vidé de son sang. Il a vidé de son sang, tout simplement. Pour soigner leurs blessés. Enfin, tout simplement. Voilà, il a vidé de son sang. Et quant aux femmes, quand elles pouvaient servir à quelque chose, ben, ils l'envoyaient dans les bordels, parce qu'elles ont toutes fini dans des bordels. Et quand elles ne pouvaient pas servir pour des tas de raisons, soit l'âge, soit ceci, soit cela, eh bien, elles subissaient le même sort que les autres. Voilà. Donc ça a été un massacre épouvantable. Alors aujourd'hui, les chiffres, tout le monde, il y a des tas de controverses sur les chiffres. Il y en a qui prétendent 350 personnes, il y en a d'autres qui prétendent 2000, il y en a qui prétendent même qu'il n'y en a eu que 40. Enfin, on est beaucoup plus proche, si l'on en croit à la liste des plaintes qui ont été déposées dans les commissariats de police, on est plus proche des 2000 personnes enlevées que des 300. Voilà. Parce que même Jean-Jacques Jordi, qui a fait des recherches, il n'a pas réussi de manière réellement sérieuse à avoir le même nombre de personnes. Voilà. Enfin, c'est quelque chose d'horrible, c'est un massacre. Alors le pire de tout, c'est effectivement que ce massacre a eu lieu en présence de l'armée française. Ça, c'est personne ne peut imaginer que 18 000 soldats français ne soient pas intervenus, hormis 3-4, dont Rabat Khelif, dont l'amiral Barthélémy, dont deux sections de tirailleurs qui sont intervenus, qui ont réussi à sauver. C'est simple. On parle des personnes qui ont été tuées, et on donne des chiffres un petit peu fantaisistes, 200, 300. Mais parmi les gens qui ont été sauvés, il y en a plus de 400 qui ont été sauvés. Ce qui signifie que si plus de 400 personnes ont été sauvées, voilà, c'est mathématique. Voilà. Et donc ça, on peut pas non plus le dire. Alors c'est vrai que c'est difficile de dire 18 000 soldats français, la France ceci, cela. Bon, il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle aujourd'hui les justes, à juste titre du reste, ils ont fait leur boulot.
Et il y a de quoi leur tirer le chapeau. Notamment Rabat Khalif, qui était un arabe. Hein, bon, enfin, vous le savez, vous connaissez l'histoire. 5 juillet 1962, des renseignements alarmants me parviennent de la ville d'Oran, me disant qu'on est en train de ramasser les pieds noirs, les musulmans francophiles, et c'est effectif. On les embarquait dans des camions, on les emmenait vers ce que l'on appelait les petits lacs, qui se trouvaient entre Oran et l'aéroport, et là, on les fusillait comme faisaient les SS, puis on les jetait dans le petit lac. Il paraît que maintenant, on a cimenté le petit lac. Je demande donc des ordres à mon chef de bataillon. Le général Katz, qui commandait à ce moment-là en Algérie, avait donné des ordres pour que les troupes françaises, quoi qu'il arrive, ne sortent pas des cantonnements. C'était un ordre écrit, que nous avions d'ailleurs tous émargé. L'adjoint au commandant me dit « Mon garçon, tu connais les ordres. Le général Katz a dit de ne pas bouger. J'étais le seul officier musulman commandant de compagnie à l'intérieur du bataillon. Je téléphone à mes camarades commandants de compagnie, tous européens. Je leur explique ce que j'ai appris. Ils me disent avoir les mêmes renseignements, mais qu'ils ne peuvent pas bouger vu les ordres. Mais enfin, ce n'est pas possible, aurais-je dit. On ne va pas laisser les gens se faire trucider comme ça sans lever le petit doigt. Moi, je ne peux pas. Ma conscience me l'interdit. Je téléphone à l'échelon supérieur, au colonel commandant le secteur. Je tombe sur son adjoint et lui explique mon cas. Il me répond « Écoutez, mon garçon, nous avons les mêmes renseignements que vous. C'est affreux. Faites selon votre conscience. Quant à moi, je ne vous ai rien dit. En clair, je n'étais pas couvert. J'embarque l'équivalent de quelques sections dans les camions dont je pouvais disposer et je fonce sans ordre sur Oran. » Et j'arrive à la préfecture, il y avait là une section de l'ALN, armée de libération nationale, des camions de l'ALN, et des colonnes de femmes, d'enfants et de vieillards, dont je ne voyais pas le bout, veuillez m'excuser. Plusieurs centaines en colonnes par trois ou quatre qui attendaient avant de se faire zigouiller. J'affiche une espèce de planton devant la préfecture, et je lui demande où se trouve le préfet. Il me dit, mon lieutenant, regardez, c'est ce monsieur qui monte. En quatre ou cinq enjambées, je rattrape ce gros monsieur avec une chéchilla rouge. Je crois lui avoir dit, « Monsieur le préfet, je vous donne 5 minutes pour libérer ces gens, sinon on fera tout sauter. » Il ne m'a pas répondu, il a descendu l'escalier, s'est dirigé vers le responsable de la section ALN, ils ont discuté quelques minutes et la section ALN est partie. Le préfet est venu et m'a dit, « C'est fait mon lieutenant » et a dit aux gens, « Mesdames, messieurs, vous êtes libres, vous pouvez rentrer chez vous. » Je reverrai toujours cette scène hallucinante de femmes, d'enfants, de vieillards qui pleuraient, poussaient des cris hystériques, courant, tombant les uns sur les autres. Quelqu'un est venu me trouver, m'a signalé qu'il y avait des gens blessés. Je les ai fait mettre à l'abri pour se faire soigner. Puis j'ai installé des patrouilles sur les axes routiers qui menaient au port ou à l'aéroport, car j'ai appris qu'on arrêtait les gens qui fuyaient, qu'ils soient musulmans ou européens d'ailleurs. C'était la population où déjà armée ne faisait même pas partie de l'ALN qui les arrêtait, les volait, les tuait. J'ai donc mis des contrôles pour éviter cela et je les arrachais littéralement aux mains de la population. Au risque de ma vie souvent, je les escortais jusqu'au port, parfois seul dans ma jeep, avec tout simplement mon chauffeur et mon garde-corps. J'ai fait cela en ayant le sentiment de ne faire que mon devoir. En transgressant les ordres et en déployant ses hommes sur plusieurs kilomètres, le lieutenant Khalif a sauvé de très nombreuses vies. Pour cela, il a été sanctionné. Le général Katz, qui l'a convoqué, lui dira « Vous n'étiez pas arabe. Si vous n'étiez pas arabe, je vous casserai. » Le lieutenant Khalif a été immédiatement muté et rapatrié en France. Oran était la seule grande ville d'Algérie qui comptait plus d'Européens que de musulmans. Le 5 juillet, sur 220 000 Oranais pieds noirs, il ne restait que 20 000 à 25 000 Européens. En ce mois de juillet 62, c'est plus de 3 000 civils qui ont été enlevés et qui, pour la plupart, n'ont jamais été retrouvés, sauf ceux qui, atrocement mutilés, jonchaient les rues ou étaient pendus par la gorge à des crochets de bouchers. Mais je crois qu'on peut avoir, qu'on peut remercier le lieutenant Rabat Khalif et hein, je ne sais pas si ça se fait.
Alors ensuite, il y a cette fameuse légende que l'OAS aurait contribué au massacre par le fait que qu'un tireur isolé aurait tiré sur la foule. Bon, ça c'est le plus gros mensonge qui puisse exister, tout le monde le sait, puisqu'il n'y avait plus à Oran, il n'y avait plus un seul membre de l'OAS au 26 juin 1962. Ah d'accord, je ne savais pas. Voilà. Il y a eu des accords qui ont été pris. Alors, c'est pas la petite histoire, pour l'histoire. L'OAS à Oran a été, dans les derniers mois, beaucoup plus virulente et beaucoup plus crainte que l'OAS Alger. À Oran ça a été Budapest. Oran, je peux vous affirmer que ça a été Budapest. C'était des commandos armés de MAT 49 face à des chars de garde mobile. Donc, ça, je l'ai connu. Hein, tout ça, je l'ai connu, notamment pour l'arrestation du général Jouot. Bon. Donc, Oran était une ville où l'OS était très, très présente. Et elle a commencé sa première action de terre brûlée, puisqu'on parle de terre brûlée, par l'incendie de des cuves de la British Petroleum au port d'Oran. Je crois que c'était en juin 62. Et le gouvernement craignait justement cette terre brûlée. Mais il craignait la terre brûlée non seulement sur Oran, mais ce qu'il craignait également, c'est que l'OS d'autres villes, notamment Alger, où il y avait encore quelques deltas qui restaient, puissent réussir à faire sauter Hassim Saoud, c'est-à-dire les puits de pétrole. Bon. Donc, il y a eu un accord qui a été conclu entre l'État français et l'OS Oran. Prévoyait que, sous condition que l'OS ne mette pas à exécution la terre brûlée, tous les membres de l'OS internés étaient libérés. Le général Katz donnant une consigne supplémentaire, à savoir, il faut qu'au 29 juin 1962, plus un membre de l'OS ne soit sur Oran. Et d'ailleurs, des navires avaient été mis à leur disposition. J'étais au Châteauneuf. Alors le Châteauneuf, à Oran, il y avait deux centres d'internement. Il y avait le lycée Ardaillon, qui était tenu par la garde mobile, où là tous les membres de l'OS ou activistes étaient internés. Et les premiers interrogatoires commençaient à Ardaillon, par les gardes mobiles. Dans la mesure où les interrogatoires n'étaient pas concluants, on envoyait ces gens-là au Châteauneuf. Le Châteauneuf était tenu par la mission C. La mission C, ce sont les barbouzes. Voilà. Et donc, moi à cette époque, j'étais donc au Châteauneuf, puisque j'avais été arrêté le 19 juin. Et donc j'ai été libéré le 29 juin. Et le 29 juin, donc il n'y a pas de problème, il n'y avait plus un seul membre de l'OAS qui était sur Oran. Donc cette tuerie de 5 juillet, en aucun cas l'OAS ne peut être incriminé. Voilà. Et donc j'ai dû arriver à... Je pense que je suis arrivé à Marignane le 3 juillet. Donc je n'ai pas connu. D'accord. Et je n'ai connu le massacre que bien plus tard. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait. J'ai dû connaître ça, je ne sais pas, peut-être fin juillet, mais pas avant. Et après coup, vous avez connu des gens qui ont assisté au massacre et qui en ont témoigné, des témoins directs, je crois. J'ai eu des témoins directs, oui. Et ils vous ont raconté. Parmi les témoins directs, j'ai eu un premier témoin qui était un ancien policier, qui a été arrêté et que j'ai revu donc en... D'ailleurs, on était hébergés chez sa femme, Cantero, c'était un monsieur Cantero, Joseph Cantero, qui a donc été enlevé. Et qui a eu la vie sauve, parce que parmi les gens qui enlevaient les Européens, il y avait un de ses anciens fonctionnaires, qui l'a reconnu, et qui, grâce à lui, a pu avoir la vie sauve, prendre un bateau et rentrer en France. Voilà. Et lui a raconté ce qu'il a vu. Et effectivement, c'est pas beau. C'était la chasse aux roumis, quoi. Voilà. Est-ce qu'il regroupait les gens, il les tuait sur place? Alors, ils ont tué sur place, ils ont regroupé. Voilà. Quand les gens essayaient de s'échapper, ben, ils les tuaient sur place. Et quand les gens ne s'échappaient pas, ils les regroupaient et puis ils les amenaient notamment au village nègre. Village hein? nègre. Voilà, au village nègre. D'accord. Et là, bon, ben là, ils en faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Hein. Ah, voilà. D'accord. Voilà.
j'avais vu un truc, toujours pareil, c'était des représentants du FLN qui racontaient. Ils racontaient qu'à Oran, la semaine qui a précédé le massacre, l'OS bombardait en permanence, tirait au mortier dans la population tous les jours, qu'ils ont tué des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Oui, sûrement. Les jours avant le... Oui, alors, c'est vrai et faux. C'est vrai et faux. Alors, c'est vrai où, effectivement, l'OS a bombardé le quartier nègre deux ou trois fois. C'est faux, il n'y a pas eu des milliers de morts. Par contre, effectivement, il y a eu quelque chose comme 80 morts au village nègre. Voilà. Le but, c'était quoi? C'était la terre brûlée? C'était... Ah non, pas du tout. Non. Il y avait une raison à ça? Ah ben oui, il y avait une raison qu'on voulait chasser les Arabes des alentours de Caen. C'était une guerre de territoire. De la même manière que le FLN balançait une grenade dans un café, eh ben nous, on ne balançait pas de grenade. On allait au bazooka. Et le 29 juin, donc, il n'y a pas de problème. Il n'y avait plus un seul membre de l'OAS qui était sur Oran. Donc cette tuerie de 5 juillet, en aucun cas, l'OS ne peut être incriminé. Voilà. J'ai toujours été surpris qu'il y ait des affrontements, enfin, que l'OS, par exemple, fasse des attentats sur des militaires français. Il y avait des raisons ou... Il n'y a pas eu d'attentats sur les militaires français. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de militaires français de tués. Alors, quand je dis militaires français, je ne parle pas du soldat du contingent. On est bien d'accord. Je parle simplement d'officiers ou de gens qui étaient dans la police et qui étaient des gens anti-OS. Bon, si on parle de l'armée, alors il faut savoir de quoi on parle. C'était pas de l'armée, c'était pas les... Moi, je parlais des troufions. Les troufions, non. Ne touchaient pas. Non, les troufions, il y a eu un seul impair, disons, appelons un impair, le 23 mars. Voilà, le 23 mars 1962, il y a eu cet affrontement entre une patrouille de soldats du contingent et l'OS de Bab El Oued. Bon, il faut savoir le contexte, il faut connaître le contexte. Le 19 mars, les accords d'Évian. Bon, à partir de ce moment-là, on savait que, pour reprendre des slogans qu'il y avait sur les murs d'Algérie, les carottes étaient cuites. Il fallait se battre jusqu'au bout. Bon. L'OS Bab El Oued, qui était une OS très forte, un petit peu, on peut l'assimiler à l'OS Oran, donne l'ordre, ou interdit tout au moins, à tout véhicule de l'armée française de pénétrer dans Bab El Oued. Bon. Vers 7h30, 8h du matin, une première patrouille de soldats du contingent arrive dans Bab El Oued. Jean de l'OS la laisse passer. Pas de problème. Vers 10h du matin, une autre patrouille se présente. L'OS arrête la patrouille, veut réclamer les armes, demande des armes. Et à ce moment-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, lorsqu'on discutait, on entend un cliquetis d'armes, c'est-à-dire un armement d'armes. Ça a tiré. Et là, le massacre a commencé. Alors quand je dis le massacre, ce n'est pas forcément le massacre des soldats du contingent. C'est le massacre également des mecs des types de l'OS. Hein. Et là, bon, ben, ça a été tout de suite, les gardes mobiles sont arrivés. Et ça a débouché au 26 mars, au massacre de la rue d'Islam. On peut appeler ça une manifestation. En réalité, les Algérois venaient soutenir les gens de Bab El Oued qui étaient assiégés sans rien avoir. Plus de victuailles, plus rien. Donc ils étaient venus pour les secourir et leur apporter de quoi manger, de quoi boire, etc. Et c'est là où il y a eu ce fameux problème avec ce régiment de tirailleurs algériens. Voilà. Alors, si on parle de soldats du contingent, qui ont été tués. Oui, voilà. Ça s'est passé le 23 mars 1962. C'est la seule fois, où les membres de l'organisation armée secrète ont tiré sur un soldat du contingent. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des militaires tués, il y a eu des généraux tués, il y a eu des colonels tués. C'est autre chose. C'était des gens qui étaient là,
comme par exemple des policiers, si on prend le commissaire Gavory par exemple, hein, entre autres, bon, il était chargé de la lutte anti-OS, on était en guerre. Il existe à l'école de police du Sunday une mission de métropolitain dite mission C. Ce sont des barbouzes. Les barbouzes sont des personnes qui agissent secrètement pour l'État français, un peu comme les gens du SAC à une autre époque. Cette mission est en relation avec les services de renseignement du commandant Azedine, un des plus grands chefs de l'ALN. La mission C fournit au FLN les listes d'Européens enlevés. C'est la mission C qui a fait enlever M. Moreau du monoprix de Bellecour et son adjoint par le FLN. Quand les musulmans du commando Azedine ne peuvent pas agir, notamment dans les quartiers européens, protégés entre autres par l'OS, ce sont les membres de la mission C qui agissent sous un déguisement quelconque. C'est ainsi que Khalifa, leader du FAAD, dont l'adresse avait été donnée par le commissaire Vergne, avait été emmené à Hydra par les membres européens de la mission C et remis au FLN pour être exécuté. Ce type d'action, décrit sur ce document secret, était quotidienne. Il est très compliqué, voire presque impossible, de comprendre cette guerre secrète qui opposait l'OS à des membres plus ou moins secrets du pouvoir gaulien. Je crois que ce qu'il faut bien se remémorer et se dire, nous étions en guerre. On n'était pas en milieu de pacification, on était en guerre. Donc il y avait d'un côté des gens qui faisaient de la résistance, et de notre côté, il y avait des gens qui étaient opposés, un petit peu, si on prend aujourd'hui, si on veut faire une transposition avec 1940, la Gestapo et les résistants. Bon, les résistants, ils ont flingué des types de la Gestapo, y compris des gens de la police française, bon, qui étaient opposés à eux. Bon, en Algérie, c'est passé exactement la même chose. Voilà. Toute personne qui était contre l'OS ou pour l'Algérie algérienne, il n'y a pas eu des militaires, il y a eu des enseignants, mais c'est des enseignants ou des communistes. Ils œuvraient pour une politique d'Algérie algérienne, alors que l'OS œuvrait pour une politique d'Algérie française. Toute la nuance est là. Donc effectivement, oui, c'est vrai, il y a eu ça. Bon, ben, d'un autre côté, il y a eu quand même 149 ou 150 membres de l'OS qui ont été tués. Bon, au combat. Et il y en a 4 qui ont été fusillés dans des conditions épouvantables. Ça aussi, il faut... Ça s'est passé comment, ça, le fusillage? Eh bien, il y a le lieutenant Roger de Gueldre qui a été fusillé. 7 coups de grâce. Il a été massacré, ce type. Voilà. Alors que normalement, de par la loi française et la loi internationale, si au premier coup de grâce, le condamné vit, il a la vie sauve. Ben non, cette fois, on lui a tiré dessus pour le tuer. Donc, lieutenant Roger de Gueldre, qui était le patron des Delta Alger, hein, sergent Dovkar, qui a tué le commissaire Gavory, et Claude Piex, qui était avec le sergent, Dovkar. Bon, et puis, on oublie le colonel Bastien Thierry, polytechnicien. Voilà, les 4 assassinés au poteau par De Gaulle. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup. Bon, et je n'évoque même pas les membres de l'OS torturés par les barbouzes. Voilà. Quand on parle de torture, ça me fait rigoler. Quelquefois, quand on parle de torture et qu'on porte procès d'intention à Le Pen et à qui que ce soit, sur la torture qui a été faite par les parachutistes à Alger, on ignore totalement de quoi on parle. Parce que les membres de l'OS qui ont subi des tortures, ils ont subi des tortures autrement plus infâmes que les FLN. Bon. Qu'est-ce qu'ils leur faisaient comme... Ah ben, on coupe les ongles, on arrache les ongles, on arrache les dents. On brûle au fer à souder, voilà quoi, voilà, y compris des femmes. Donc après on peut pas faire de cadeau aux barbouzes par exemple, voilà. Et l'OS n'a pas fait de cadeau aux barbouzes, hein. Ils ont fait sauter la villa, il y en a eu 19 qui ont été tués, bon, parce qu'ils ont fait, c'est épouvantable, ils ont fait pire que les parachutistes, et pas pour les mêmes raisons, parce que les paras, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de torture, si, il y a eu de la torture, forcément, mais bon. Moi personnellement, aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte aussi. Que vaut la vie d'un individu qui va poser une grenade contre la vie de 3, 4, 5 gamins? Ce qui s'est passé du reste. Bon, ben, je suis désolé, le type, je le fais parler, par tous les moyens. Par tous les moyens, voilà.
Une fois que l'indépendance est tombée, que les pieds noirs prenaient le bateau et partaient, oui. L'OS a continué à faire des actions non. En France, non ? Il y a eu l'OS Métro, comme on l'appelle, oui. Et l'OS Algérie. L'OS Métro, c'était des pieds noirs ou c'était... Non. Ah oui, parce que moi, je croyais que l'OS Métro, je croyais que c'était les pieds noirs toujours. Non. L'OS Algérie a été créé pour défendre le drapeau tricolore en Algérie, c'est-à-dire pour que les pieds noirs restent en Algérie. On n'avait pas les mêmes ambitions. Moi, je m'en fichais, moi. À la limite, on serait resté en Algérie, De Gaulle serait resté au pouvoir. Vive De Gaulle, on reste chez nous. Le drapeau tricolore, il reste là. Pas de problème, pourquoi pas. Non, je comprends. Voilà, alors qu'en France, moi, j'avais plus rien. D'ailleurs, bon, quand je suis rentré en France, le peu que je suis resté avant de repartir sous le képi blanc, je m'en fichais. Pour moi, c'était fini. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand la guerre d'Algérie s'est finie, comme tout le monde, en 1962, l'OS Algérie, c'était fini. Il y a des membres de l'OS qui se retrouvent en Espagne, il y en a d'autres qui se retrouvent en Amérique du Sud, en Argentine, au Canada, un peu partout, en France, bien sûr. Et ces gens-là, dans 98%, le combat était fini. Il n'y avait plus rien. On avait perdu. On s'en fichait, nous. De Gaulle, évidemment, c'est resté notre ennemi principal. Ça reste toujours notre ennemi, parce qu'il nous a trahis. Bon. Mais, pour nous, c'était fini. Alors qu'en métro, il continuait. Alors, une partie des membres de l'OS a rejoint et a continué. Mais très peu. Et puis, il y a une autre partie qui a été embauchée par Charles Pasqua lorsqu'il a créé le SAC. Alors, il a embauché des anciens de l'OS. Pourquoi ? La majeure partie des gens de l'OS qu'il a embauchés, c'était des gens de l'OS qui étaient recherchés, qui étaient en Espagne. Il leur a dit, pas de problème, impunité. Casier judiciaire vierge, mais vous venez chez nous. Vous venez au SAC. Et c'est la raison pour laquelle on a retrouvé des gens de l'OS dans le SAC. Au SAC. Aujourd'hui, moi, je sais qu'on m'a reproché, on m'a beaucoup reproché, parce que moi, je défends les gens de l'OS, même qui sont rentrés au SAC. Je les défends parce qu'il faut se mettre à leur place. Et j'ai connu des amis, des très très bons amis, qui sont retrouvés une main devant, une main derrière, en Espagne, sans rien avoir à manger, sans rien avoir pour leurs femmes, ni pour leurs enfants. Bon, hein, quand on vous dit, l'impunité, vous rentrez en France. Vous faites quoi ? Et c'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience. Moi, j'ai des amis qui ont fini clochard. Clochard. Alors que c'est des mecs bien, ils ont fini clochard. Ça, je ne peux pas le supporter. Alors, il faut se mettre toujours dans le contexte. Et c'est difficile de se mettre dans le contexte. J'avais lu que l'OS, par exemple en France, avait fédéraillé un train ou imposé une bombe dans un train. Ah là là. Alors, quel OS là ? Alors, ça c'est métro, forcément. Beaucoup de controverses. Énormément de controverses. Effectivement, il y a un train qui a déraillé entre Strasbourg et... Vitry-le-François, c'est arrivé vers Vitry-le-François. Vers Vitry-le-Françoise. Et ils ont annoncé 27 morts, je crois, un truc comme ça, c'est ça ? Et une quarantaine de blessés. Alors, d'aucuns prétendent effectivement que c'est un attentat OS. Moi, j'en doute beaucoup. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais... au niveau de la DIMAD, quand j'étais président de la DIMAD, j'avais quand même pas mal d'archives. Je me regardais les archives, et on a des archives, pas forcément qui sont dans notre sens, hein, toutes les archives on les a, hein, y compris celles où on est accusé de quoi que ce soit. Et je ne crois pas. Je sais que tous les médias se sont jetés dessus, voilà, en disant c'est l'OS. En tout cas, moi j'en ai jamais entendu parler, jamais. Jamais. Et je n'ai aucun document sur lequel il ait pu avoir... j'ai réussi à trouver, effectivement, une coupure de presse qui relate, disons, l'accident ou l'attentat, peu importe, de la façon dont on l'interprète. Mais en aucun cas, on évoque l'OS. En revanche, ce que je sais, c'est que les communistes, encore eux, les gauchistes étaient très très friands, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'un petit peu particulier qui se déroulait sur le territoire métropolitain, immédiatement il y avait le catalogue OS. Voilà. La guerre d'information, ça, donc ça ne me surprend pas du tout.
un fâcheux incident. Un fâcheux incident qui s'est passé. En réalité, l'OS avait décidé, l'OS Métro, je parle toujours de l'OS Métro, hein, avait décidé de plastiquer la maison de Malraux. Bon. Malraux qui était un communiste, un salopard. C'était un salopard, ce mec. La bombe visait André Malraux, je le disais. Avez-vous eu des contacts avec André Malraux après l'attentat? Non, aucun. Et pourtant, il habitait chez vous? Oui, il habitait la maison qui appartenait à ma grand-mère. Et mon père lui a demandé de quitter cette maison parce qu'il risquait d'y avoir d'autres attentats. Et à partir de ce moment-là, alors que Malraux était très ami avec mes parents, il a commencé à y avoir un froid parce qu'il ne voulait pas quitter cette maison. Il a même menacé de la réquisitionner. Et mon père a dû aller négocier au ministère avec lui pendant des semaines pour qu'il accepte enfin de partir. Donc j'ai pas eu très envie de le rencontrer par la suite. Il n'a jamais souhaité vous dire un mot de l'explosion? Non. Puisqu'on visait Malraux, ben autant descendre, voilà, plutôt que mettre une bombe. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que cette petite, c'est elle qui a morflé, la presse s'est emparée de l'affaire. Ça a été une levée de bouclier de tous les partis politiques contre l'OS. La campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli perdre la vue. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences? Des pieds noirs qui faisaient des attentats contre d'autres. Ah ben voyons. Parce qu'ils étaient... Elle est communiste. Oui. Ils étaient pour l'indépendance. Mais c'est... Ah ben ils sont endoctrinés, complètement. Ah oui, non, mais c'est... Ah oui, complètement. Complètement. Ben les premières bombes qui ont été fabriquées, ça a été des communistes français, enfin pieds noirs. En Algérie. En Algérie. Jahida, ces femmes étaient agents de liaison, propagandistes ou encore dans le maquis avec les Moudjahidines pour arracher l'indépendance de leur pays. Daniel Mine faisait partie de ces figures oubliées. Daniel Mine est malheureusement décédée l'année dernière à l'âge de 77 ans. Elle était l'une des grandes figures des Moudjahida. Qui était Daniel Mine devenu un jour Jamila? Alors, c'est une Française métropolitaine. Elle est née à Neuilly en 1939, de parents communistes et en partie juifs, qui ont été... sa mère a été déportée par les nazis, s'est évadée d'un camp. Et donc, ces deux communistes résistants sont allés en Algérie dès 1948, où Danielle, qui est née en 1939, toute petite, elle avait 3 ans, allait s'acclimater dans le climat algérien. Quand la guerre commence, ses parents, évidemment, adhèrent aux idées d'indépendance du FLN. Ils sont expulsés par l'administration d'Alger. Mais Daniel, à l'âge de 17 ans, 1956, entre dans les réseaux de soutien au FLN dans sa branche communiste. Et en 1957, elle n'a que 17 ans. Elle rejoint le commando que le FLN, à l'intérieur de la Casbah, pendant la bataille d'Alger, qui va occuper toute l'année 1957, elle va être une des porteuses de bombes et elle va déposer une bombe dans un des cafés le même jour pendant que des amis à elle posent des bombes dans d'autres cafés. Ce sont 3 attentats spectaculaires qui font 4 morts, 37 blessés. Savoir quand même que la structure de l'OS Orange l'a été bien avant l'organisation, bien avant, puisque elle a été, il y avait déjà des structures d'antiterrorisme qui avaient été faites notamment par un nommé Guy Pugente qui est décédé, paix à son âme, qui était un très très bon ami, qui était un syndicaliste et qui a commencé à créer les cellules bien avant 59-60. Donc déjà, Oran avait déjà une structure, et une structure civile. Et qui se débrouillait bien, parce qu'il n'y a pas de problème. Il y en a qui nous reprochent de nous être réveillés trop tard, mais quand on se réveillait, on a quand même mené le terrain. Au niveau de la structure des grands chefs, Salan, c'était le grand chef de la... Ah, Salan, c'est le patron, oui. C'est le grand patron. Ah oui, Salan, c'est le patron. Et ouais. Il était vraiment écouté, ou chaque cellule... Salan, c'est un militaire. Vous avez fait l'armée, vous savez comment que c'est, l'armée. Surtout lorsqu'on a fait toute sa carrière dans l'armée. On n'a rien connu d'autre.
Donc on est un petit peu, j'allais dire, sans que ce soit péjoratif ce que je dis, sclérosé. Voilà. On a une vision un petit peu comme les mulets, on a des œillères, parce qu'on sait que c'est là. C'est, on ne va pas à droite, on ne va pas à gauche, c'est comme ça. Voilà. Quand je te donne un ordre, tu te mets au garde à vous. Point final. Tu n'as pas, d'abord, la principale discipline, c'est déjà d'obéir. Hein, voilà, on ne cherche pas. Voilà. Et commencer à réfléchir, c'est désobéir. Bon. Donc, il y a ça. Il a cette optique. Il a cette optique de militaire, militaire prestigieux. Il ne faut quand même pas l'oublier. Aujourd'hui encore, il n'y a pas un seul militaire français qui a eu autant de décorations que n'a eu ça, le général Salan. Parce qu'on parle des décorations françaises, mais il faut voir les décorations étrangères qu'il a également. C'est quand même un monsieur, c'est un seigneur. Hein, mandarin, hein, on l'appelle pas le mandarin pour rien. Bon, donc il est arrivé dans ce contexte de révolutionnaire, où il connaissait pas grand chose et il s'est retrouvé acculé. Il s'est retrouvé acculé quand, lorsque le général Schall et le général Zeller sont rendus, lui n'a pas voulu se rendre parce que c'est un militaire, c'est un type fier. Il s'est dit non, c'est hors de question. Et puis il avait connu l'Indochine parfaitement. Et il s'est dit, c'est hors de question qu'on fasse comme un Indochine. Bon, donc il a continué. Je crois que la grossière erreur qu'il a commise quand il s'est rendu, c'est en réalité, il s'est rendu, et général Zeller l'a suivi, parce qu'il a voulu éviter une effusion de sang entre soldats français. Voilà. Et là, je crois qu'il a commis une très, très, très grossière erreur psychologique. Parce que il aurait imaginé, c'est pour ça qu'il a fait ça, il aurait imaginé que les soldats du contingent qui s'étaient insurgés, d'ailleurs, hein, pouvaient faire face aux paras et à la Légion. Grossière erreur. Moi, je les ai vus à l'œuvre, les soldats du contingent. Ça me fait rire, hein. Ils auraient vu un béret rouge ou un béret vert, ils posaient les armes rapidement. Et je crois qu'il a commis une grossière erreur sur ce plan, parce que, indiscutablement, ils n'auraient pas bougé, et on aurait gagné. Voilà. Et à partir de ce moment-là, effectivement, les autres régiments qui étaient dans les spectatives et qui attendaient, ils se sont dit, bon, ça va, c'est cuit, on ne se mouille pas, parce que ce sont des officiers, ils perdent leur carrière. Donc ils s'en disent, alors c'est vrai que certains disent ils étaient frileux. Moi je dis ils sont restés dans les spectatives. Voilà, ils ont observé, ils se sont dit bon, si on voit que ça marche, pouf, on y va. Par contre on reste là, et voilà. Donc voilà. Et Méchal, Salan est resté quand même le chef incontesté de l'OS. Voilà, et il en a assumé les responsabilités. Il en a assumé à tel point qu'il a été condamné à mort quand même. Hein. Il a été condamné à mort, mais gracié. Pas grâce à De Gaulle. Hein. Ah, j'ai cru que c'était De Gaulle qui l'a oui, gracié. Il a été contraint, De Gaulle, de le gracier. Voilà, sous la pression des tribunaux. Ah oui, oui. Non, De Gaulle avait demandé sa tête. Pas les enlever. Bon, les disparus et les enlever. Plus de 400 militaires français ont été enlevés. Qui n'ont jamais été retrouvés. 400. Qui en parle? Personne n'en parle. Voilà. Vous avez pu discuter avec un enlevé qui s'est échappé, un truc comme ça. Avec Aussignac. Avec Aussignac, oui. Avec Aussignac, j'ai eu des... Vous arrivez à ce monsieur parce que les gens ne connaissent pas ça. À Aussignac, j'ai eu des discussions avec lui, oui. Ouais. Enfin, j'ai eu des discussions, une discussion avec lui. Voilà. Voilà, il y a très 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 longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur? Alors, il s'est fait enlever... Alors qu'il était en permission, d'accord, il s'est retrouvé dans une mine, d'accord, avec d'autres détenus, beaucoup de civils. Voilà. C'est une mine de sel dans laquelle il était. Il a vécu. Alors il disait qu'il buvait par moment, il mangeait pas, et il buvait l'eau qui suintait des grottes. Il faut le faire quand même. Mais je pense pas qu'il racontait des salades. Ça m'étonnerait. Et puis il a tenté une première évasion.
Il a échoué. Ils lui ont arraché tous les ongles des pieds. Voilà. Il a tenté une seconde évasion. Alors là, ils lui ont cassé, je crois, l'avant-bras. Et puis finalement, il a fait une troisième évasion. Je crois qu'ils étaient trois, de mémoire. Je vous dis ça de mémoire. Ouais. Et il a réussi à s'échapper parce que les Fels se sont axés sur les deux autres. Et finalement, lui, il a réussi à se sauver. Et il s'est camouflé dans un fossé. Et c'est un couple de fermiers qui étaient restés en Algérie, hein, des pieds noirs qui étaient restés en Algérie, qui l'ont récupéré, ils l'ont soigné, ils ont réussi à le mettre sur un bateau, et il est rentré en bateau. Et son histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il était porté déserteur. c'est le comble. Et donc il avait été radié, pas de pension, rien du tout, et de la prison militaire, pour conclure. Voilà. Et donc il a fait ce témoignage. Le témoignage n'a jamais été diffusé. Jamais, jamais, jamais. Il a été diffusé pour la première fois. Alors, nous sommes en 2010. Ça doit être en 2000. Nous sommes en 2020. Ça doit être en 2009 ou 2010. Où un ami qui fait des reportages également avait eu connaissance. Et justement, on y est allé ensemble. Et il a interrogé. Et on trouve ça d'ailleurs sur... Je l'ai vu, le film. Vous l'avez vu, le film ? Voilà, de Charlie Casson. Voilà, un soldat du contingent et de la métropole, oui. On peut dire ça, se fait capturer. Il rentre, il témoigne. Les militaires, les chefs militaires, comme le gouvernement, ont la preuve... que des centaines de Français, oui, sont enfermés, exact, dans des mines et oui, ils ont les lieux et ils meurent, ils connaissent les endroits, oui, et tout, ils connaissent les lieux et on fait rien. Non. Ça c'est non. Ça, c'est étonnant. Non. Ça, non, c'est pas étonnant, c'est oui, c'est étonnant pour vous et moi, c'est étonnant. C'est de la trahison, c'est un acte de je ne sais pas, il y a pas de terme qui puisse définir cela. Mais je suis même étonné qu'il n'y ait pas des généraux qui se soient révoltés. Ah. Non, mais des généraux, il en existe quelques-uns quand même qui sortent de l'ordinaire. Ah oui, ça n'a pas été le cas là. Ben écoutez, les généraux, on les voit aujourd'hui. Hein. Ouais. Est-ce que vous les voyez se révolter? Et les châles, les jouots, les élères, tout ça, c'est fini. Hein. Il n'y en a plus. Hein. Ouais, maintenant, je ne sais pas combien de disparus comme ça, et la plupart. Mais la Croix-Rouge connaissait les emplacements. Ah oui. Elle connaissait les emplacements. La Croix-Rouge est allée sur place. Elle a visité des camps. Mais jamais le gouvernement français n'a fait quelque chose. Alors, ce sont des... Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé entre le gouvernement français et le gouvernement algérien ? On n'en sait rien. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les accords d'Évian prévoyaient justement de libérer tous ces otages. Voilà. Non, puis en plus, militairement, la France, on écrasait l'Algérie comme on voulait. Bien sûr, bien sûr. Il suffisait d'envoyer un seul régiment bien sûr. De paras ou de légion. Oui, mais je pense que c'est... Je pense que ça va au-delà... C'était pour les accords pétroliers. Mais voilà. Dollars. Vous voyez tous les conflits aujourd'hui qui se passent. Tous, sans exception. C'est toute une question d'argent. Il n'y a rien d'autre. Ça n'intéresse pas. L'être humain ne vaut strictement rien par rapport à un billet. Mmh. Voilà. On en est là. Il n'y a pas longtemps, si. Il y a eu un autre témoignage. Un des derniers Paris-Dakar. Quand c'était le vrai Paris-Dakar, où les gens allaient jusqu'à Dakar. Un motard italien arrive et fait une déclaration en disant qu'il a rencontré dans le sud algérien, près de la Mauritanie, une femme de type européen, d'accord, qui paraissait complètement déboussolée. Bon, personne n'en a rien dit. Or, on sait aujourd'hui que des camps ont été créés dans le sud algérien où les femmes ont été mises. Ça, on le sait, c'est une certitude. Même Boumediene a dû indiquer, parce que Boumediene avait tous les emplacements, évidemment. Hein. Bon, personne ne s'en est préoccupé. Et personne n'a voulu écouter M. Boumediene quand le 26 janvier 71, il disait à Paris... On semble ignorer que nous détenons un très grand nombre d'otages français. Quand il le faudra,
Nous en communiquerons la liste à la presse, d'où une émotion considérable en France. Alors pour obtenir la libération de ces otages, il faudra y mettre le prix. Ouari Boumedienne, président de la République algérienne, au journal L'Éclair, le 26 janvier 1971. Qui s'est intéressé à la déclaration de M. Boumedienne? Personne, personne ne s'est intéressé à la déclaration de ce salaud. Et les femmes, les jeunes filles sont mortes dans les bordels clandestins. Des hommes sont morts dans les goulags du Sahara, marchant à la trique, sans que personne aille les rechercher, alors que les services secrets français savaient où étaient les bordels clandestins, où étaient les camps prisonniers. Rien n'a été fait. Puis je vous dis bien, les Américains n'ont pas fait de cadeau. Hein. Les Américains nous avaient promis une aide à l'OS. Bon, c'est Susini, par l'intermédiaire de Susini. Et donc, ils avaient sollicité, je pense que c'est lui qui avait sollicité les Américains avaient prévu de nous donner de l'armement, enfin de nous vendre de l'armement, parce qu'ils ne donnent rien, eux. Ils ne l'ont jamais fait. Donc déjà, Kennedy, il n'y a pas de problème, il était pour l'indépendance, indiscutablement. Hein, voilà. Les deux blocs n'avaient rien, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des colonies, le Portugal avait beaucoup de colonies, l'Espagne, ils avaient des colonies, donc tous ces gens-là représentaient quand même une force, hein. Le Portugal était costaud, hein, au niveau des colonies, bon, la France, a fortiori, hein. Donc ces deux blocs, ça les faisait un peu suer, donc effectivement, hein, les richesses que possédait la France, vous rendez compte, la France, elle avait tout l'Afrique occidentale, tout le sous-sol de l'Afrique occidentale, le sous-sol du Sahara, le sous-sol de l'Algérie, Merzel Kébir, je peux vous dire, je connais bien les dessous de Merzel Kébir. C'est exceptionnel, quoi. C'est une des principales bases anti-atomiques qui existent en Méditerranée. Vous vous rendez compte le poids pour ces nations. Bon, alors évidemment, il fallait décoloniser ou il fallait agir pour que ces pays, Espagne, Portugal, France, décolonisent à outrance. Et ils ont fait tout ce qu'il fallait. Parce que les Ricains, ces salopards, ils ont quand même commencé à gangréner l'Algérie quand ils ont débarqué en 40. Hein? Déjà en 40, ils commençaient à gangréner les populations, etc., etc. Ils ne se rappelaient pas que quelques années avant, ils avaient éliminé quand même tous les autochtones chez eux. Hein? Hein? Bon, donc... Donc tout ça, c'est, ils ont fait ça tout le temps, hein, tout le temps. Mon général, vous êtes donc dans l'OAS, vous êtes le second, je crois, de Salan, enfin, oui, dans l'organigramme, oui, de l'OAS. Oui. Quels étaient, en fait, les objectifs de l'OAS ben, les objectifs de l'OAS étaient les suivants. C'était d'arriver à mobiliser la population, d'essayer de trouver dans l'armée, étant donné que l'inéluctable s'avançait tous les jours plus rapidement qu'on ne le pensait, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie, trouver un certain nombre d'unités qui se joignent à nous et prendre, si vous voulez, l'Algérie, former un gouvernement algérien pour mettre la métropole en face de ses responsabilités. La seule chose que je puisse dire, c'est que je n'ai jamais entendu le terme « pied noir » lorsque j'étais en Algérie. Voilà. Je l'ai entendu en France. Et je me suis dit, bah, mais tu es pied noir, voilà. Voilà. Mais le terme « pied noir » qui a été donné, au départ, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a raison, celui de la personne que vous, dont vous faites, Michel Savio, « pied noir » pour moi c'est un terme péjoratif. Voilà. On n'est pas pied noir, pourquoi on serait pied noir? On est français d'Algérie, point final. Voilà. Au départ, c'était péjoratif. D'ailleurs, lorsqu'on évoque les pieds noirs, d'ailleurs, vous le remarquez même un jour, si vous discutez avec quiconque, il y a une connotation malsaine. Voilà. Se transposer à l'époque, c'est extrêmement difficile si on n'a pas vécu soi-même.
il faut avoir été témoin. Je crois que quelqu'un qui, le plus éminent des historiens, s'il n'a pas été témoin d'un événement, il ne peut pas transcrire de façon raisonnable et logique un événement tel qu'il se serait produit. Voilà, le gros problème est là. Voilà. Et l'Algérie, ça restera toujours ainsi, ça restera le point d'interrogation sur tous les sujets du reste. Parce que, retranscrire l'histoire avec des témoins qui ont vécu et avec un tant soit peu d'objectivité, parce qu'il y a toujours une certaine passion qui est là, parce qu'on se remémore des événements. Mais, de notre côté, je pense qu'on devient beaucoup plus sage et qu'on analyse de manière moins brutale que l'analyse que l'on aurait pu faire sur le moment. Parce que sur le moment, on est pris par l'émotion, on est pris par... Alors qu'avec le recul, on a tendance à amoindrir peut-être les faits, voilà, à les estomper, à trouver des circonstances atténuantes, ou à trouver des prétextes, comme on veut, prétextes ou excuses. Voilà. Et c'est très difficile de transposer. We'll be right back.